do it, Laura. After all, you're a Croft. Salut tout le monde, c'est Lina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo découverte, mais pas vraiment découverte parce que tout le monde l'a déjà fait avant moi. Moi, je ne me presse pas, je vous fais juste une petite vidéo sur Tomb Raider. Manière de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble en dehors des gameplays qu'ils ont pu montrer. Alors voilà, déjà, ça, c'est le menu. Voilà, au cas où si vous voulez, on peut le visiter si vous voulez. En option. Je pensais, voilà ça, je pensais qu'on pouvait changer, mettre, voilà, en anglais, mais en fait non. Donc je laisse en français parce que l'allemand, non merci. Le mode multijoueur aussi. Je l'ai pas vraiment essayé. Je vous ferai une vidéo à part. Je vous montre un peu les personnages. Samantha, Grim, Reyes. C'est stylé, ils ont tous une position comme ça. Steph, Victor, Whitman, le pilote et Lara Croft. Pour ça là, il faut être au niveau 60. Je le saurai au niveau 60. Je le saurai au niveau 60, je le dis. Après non, je l'ai pas testé parce que tout à l'heure en fait, j'ai voulu mais je sais pas, ça me trouve pas spécialement de partie. Alors, on va continuer. Je vous fais pas une vidéo du début du jeu parce que c'est les gameplays qu'ils ont pu montrer tous les développeurs. Vous savez, quand il y avait les conférences et tout ça, c'était toujours le même gameplay. Donc j'ai avancé au maximum et j'ai personnalisé des choses et tout ça, et c'est mis là. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette bête tant attendue par tout le monde. Et franchement, en plus, le vendeur il m'a fait une blague trop pourrie. Je suis arrivée et ah oui, alors là, attendez, je vais pas parler, je vais trop me concentrer. Je vais même pas arrêter à les tuer. Oula, je vais baisser le son. Parce que sinon, vous risquez de... Comment dire, de d'entendre. Après, franchement, le jeu, c'est une tuerie. Bah, pourquoi je me suis fait péter le bidon à côté de moi? Tiens, casse-toi. Hop, des munitions. Je vise comme un pied en plus. Après, il n'y a pas vraiment tout le temps d'action. Je crois que ce niveau, il a vachement de l'action, mais après, il n'y en a pas de main. Je vous le dis honnêtement. Et je vous le conseille à tous parce qu'il est énorme. Mais gratuit. Alors, laissez tomber. On ne peut même pas le faire. Les animations, les actions, tout ça, c'est juste super. En fait, ouais, c'est que ce gameplay depuis tout à l'heure, c'est un petit peu action. Tout à l'heure, j'avais arrêté parce que j'avais joué toute la nuit, toute la matinée. Franchement, j'étais un peu fatiguée. Alors, j'ai fait une poche, j'allais m'aérer la tête. Hop. Allez, on va fouiller un peu les cadavres. Alors, il faut toujours fouiller les cadavres. Vous trouvez des tas de choses. Et même dans chaque lieu où vous vous trouvez, il faut toujours... fouiller les alentours, voilà, parce que vous avez des matériaux à récupérer qui, grâce à ces matériaux, vous pourrez personnaliser l'arc, voilà, vous pouvez personnaliser votre mitraillette, le flingue, le fusil, la pompe et le piocher, je crois que ça s'appelle comme ça, un piocher, voilà. Mais c'est difficile de décrocher du jeu, je l'avoue, voilà, c'est ça le piocher. L'instinct de survie en bas, c'est en appuyant sur LB, ça fait ça, voilà. Ça vous montre un peu ce que les choses qu'il faut. Matière, le tissu blanc en surbrillance peuvent être brûlés. Je crois qu'il faut maintenir.
Mais oui, j'ai mis. J'ai compris ce qu'ils veulent. Mais. Je sais pas comment le faire. En fait, il faut que je fasse une fléchette incendiaire. Une flèche, pardon, pas une fléchette, une flèche incendiaire. Mais. Peut-être comme ça. Non, pas en... Après, c'est pas la Lara Croft qu'on a connue. Voilà, des fois, elle a des moments difficiles où elle galère un petit peu. Mais franchement, je dois être blonde. Je veux l'allumer en fait. Il doit y avoir un truc. Oui, je sais qu'il faut que. En fait, j'ai pas suivi en plus tout à l'heure comment. Ah, je l'ai pas fouillé. Mais... Non, pardon, je crois que. Ce tissu doit être inflammable. Je sais, mais. Ah, oh, ça va m'énerver, je vais pas bloquer maintenant, c'est pas possible. Oh là là. Après, vous avez d'autres choses aussi. Tout le long du jeu, vous avez des tombeaux. Ou ça, c'est votre choix. Franchement, les pièces sont pas si grandes, mais il faut bien réfléchir. Ça, je sais même pas quoi ça sert à chaque fois. Je vous ferai une vidéo sur le mode multijoueur aussi. C'est prévu. Je vous rassure. Oui, il faut toujours tout regarder. Ça date sûrement de la dynastie Yuan. Peut-être un vestige de la flotte de Kubilai Khan. Ah non, c'est un faux. Made in China. Ah non, c'est un faux. C'est des pâtés tinois qu'elles l'ont fait. Moi, te dis, des pâtés tinois. Oh, franchement, sans déconner. Mais et c'est ce que je suis en train de faire. Je dois être abruti. Comme les fléchettes incendiaires. Oh, ok. Vous êtes d'accord que... Attendez, là on voit pas... Là on voit des flèches et là on voit deux... Là on voit des flammes et là on voit deux fléchettes. Ah non. Oh là là, mais qu'est-ce que je peux être bête moi alors. J'avais pas compris. Je regardais le mauvais dessin. C'est pas grave. Bay. C'est parti. Infiltrer le palais. Oh, ça j'aime pas trop. Ça, c'est des camps provisoires, voilà. Vous pouvez voir vos compétences, je crois. Ouais, c'est ça. Et améliorer votre équipement. Alors, moi, j'ai pas mal amélioré déjà. Donc, pour le moment, ça ira. Je vais laisser comme ça. Je vais économiser le matériau. Qu'est-ce qui se passe? Après, voilà, l'histoire, en fait, c'est Tomb Raider et Lara Croft et son équipe qui se sont... Quand on a un accident avec un bateau. Ils ont eu un accident avec un bateau. Et ils sont sur une île. Comment dire? Avec des gens un peu bizarres. Comment ils peuvent vivre comme ça? Voilà, elle vient de le dire. Comment ils peuvent vivre comme ça? Bah, quand on est fou, on est fou. C'est genre des sauvages. Je sais pas vraiment comment expliquer. C'est des fous. Ils sont fous. Alors voilà, alors là pour le moment on doit sauver Sam parce qu'ils vont faire un rituel sur Sam. Et on a l'émetteur, oh, vous voyez ce petit truc jaune qu'elle a là. Ça l'a dit. Je me méfie parce que j'ai fait le jeu en normal, donc comme d'hab, je fais tous mes jeux en normal.
Hop, du matériau. Mais après, franchement, il n'y a pas que de l'action. Et puis, c'est tout le temps... C'est jamais répétitif. Ça change à chaque fois, chaque lieu où vous allez. Tu t'es échappé. Ils ont pas pu me retenir. Il n'y a rien à dire. Le jeu est magique. Après, le mode multi, j'ai hâte de le tester. Mais apparemment, c'est un peu comme la Uncharted. Alors, on verra bien. Moi, Uncharted, je suis pas fan. On le dit direct. C'est pas mon type de jeu aussi, parce que c'est un peu la Tomb Raider. Mais non. J'aime pas. Abandonne ! Pas question, salopard. Ouais, ils sont où là ? Ah, il y en a un ici. Oh putain, moi j'ai pété là. J'ai pas pété vraiment. Oh punaise, on va tous crever. Attendez, je suis trop curieuse. On avait forcé un ennemi à lâcher deux. C'est trop cool. Mais j'ai que des succès, boum. On avait tiré sur un paquet de dynamite en plein vent. Ah bon? Excusez-moi, je suis pas au courant. Il est où? Foiré. Ramenez-vous ici et butez-la. En fait, voilà. Vous voyez, ils ont pas des allures de sauvage, enfin quoique quand même. Ils sont pas très. Oh, c'est mignon, hein. Ah! Elle a pas vu, lui, à côté. Oh putain, c'est mignon. Après, il faut surtout jouer sur la discrétion. Bon, là, non, parce que c'était obligé que. Que voilà, il y a un bordel. Mais en fait, je suis vachement concentrée, j'ai pas envie de mourir. Je suis pas morte beaucoup de fois, je crois que je suis morte 3 fois au total. Oh putain! Sont vachement nombreux, c'est pas pour dire, je dis ça comme ça moi. Mais oui, il me fait chiant là, à me jeter des trucs décents, rien que je t'explose ta gueule là. Bah voilà, t'as mort. Bye bye, c'est mort les gars. On va fouiller un peu tout le monde. Lara, tu dis ça. T'es vivant. Si on peut dire. Lara, je te connais où sont pas. Les autres. Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Monte ici et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Vous me direz dans les commentaires ceux qui l'ont acheté. Comment vous le trouvez, ce que vous trouvez de bien, ce que vous trouvez pas bien. Pour le moment, moi, aucune critique. À part, comme j'ai dit à Zayt, j'aime pas chasser, j'aime pas tuer les petits animaux. À un moment, j'ai dû tuer un petit lapin. Son corps, il était mort. Il a glissé dans la rivière et tout. Ça m'a trop fait de la peine. C'est de plus en plus bien fait, quoi. Donc, ces petits animaux-là qui meurent, moi, j'aime pas. Après, non, franchement, j'ai trouvé aucune critique pour le moment. Aucune. Peut-être ça viendra, je vous ferai part de la critique, mais pour le moment, je n'ai rien à dire de mauvais. Vous voyez, franchement, comme c'est bien fait. Ils ont vachement bien travaillé. Non, que ça le fait. Ah oui, c'est parce que j'ai tourné la caméra. Quel chipi. Donc, ça sera pas... Je vous ferai des vidéos sur... quelques fois, mais je ferai pas le jeu en entier. Parce que déjà, ça prend beaucoup de temps et j'ai pas un PC puissant pour ça, pour faire des tonnes de rendus. Mais surtout que je travaille beaucoup. Voilà, je rentre à 2h du matin et tout ça, donc je peux pas me permettre de faire autant de vidéos. Mais je vous en ferai quelques fois sur le mode multi et tout ça. Après, j'ai des tas d'autres jeux à vous montrer.
Tiens, Madaboum. On fait tout péter. Il y en a un monsieur, pas moi. Il y en a un là. Tiens. Foiré. Sors. Montre-toi. Tiens, crâne. Enflure. Moi, je fouille de partout, sans déconner, quoi. Fouille de... Ah, là, vous voyez. Bam. Je suis à fond de munitions. Mais non, qu'est-ce qu'il me dit. Bon, non. Bon, ben, écoute. Après, par contre, je peux pas vraiment vous dire si je... où je suis exactement. Peut-être dans la carte, ils disent. Ouais, bidonville. Mais après, rejoignez Grimand de la tour. Ouais, voilà. Dans le Japon de l'ère Edo, les tenues des hommes n'avaient pas de poche. Les inro étaient utilisés pour ranger les effets personnels. Les ancêtres de nos portefeuilles. Donc, il n'y a rien à faire, on s'en fout. Ah, démonition. Non, non, les flèches sont passées. Je me suis trompée, non? Bah non. Ah oui, non, je savais pas vu. Oh con. Hop. Fiole, la redynamique. Je l'ai bien vu. Oh putain, du pipole là. Mais qu'est-ce que ça me prend ça? Non, je vais mourir. Non, non. Putain, pourquoi elle m'a pris le piocher? Elle est malade ou quoi? Mec, sur la Kalachnikov, qu'est-ce que je vais faire, mon? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai pas vu ça, moi, tout à l'heure. Oh putain, je suis revenue au départ moi. Quelle idiote. Ah oui, mais ok, vachement, ils m'ont fait réapparaître loin quoi. On va s'en sortir, on est des warriors. Hop, ça c'est fait. Non mais descends. Après Lara elle est vachement facile à déplacer et tout. Au début c'est ça que je craignais parce qu'il y a des fois des jeux où les joueurs ils sont hyper chiants à déplacer. Et je craignais ça en fait. Mais en fait non, je suis super tranquille. Sors ta tête. Allez, casse-toi. C'est bien vu, lui. Ah, il y avait des munitions tout à l'heure. Bon, je vais faire attention cette fois parce que... Oh, non. Ah.
femme. Ah, lui, là, il faut que je l'arrête. Non, ça fait ça. J'ai eu ? Ah, parfait. En plus, il s'est bouffé sa propre dynamite, on en a compte. Enfoiré. Putain, mais il perd vachement vite la vie, hein. Foiré là. Ouais, ils sont tous morts là ou quoi? Je fais attention, j'ai pas envie de mourir. On sent que ça se corse un peu de plus en plus. Petit à petit là, ça se corse. On va passer par là au pire. Après, vous avez vu, franchement, il n'y a rien à dire. C'est super bien fait. Tout est trop bien fait. Et moi, je crois que je vais arrêter la vidéo. Donc, c'est juste un petit aperçu. Après, je vous referai d'autres vidéos. Mais pour le moment, je vous donne mon point de vue et ce jeu est juste magnifique. Ça valait le coup d'attendre autant. Bon, par contre, c'est vrai que moi, j'étais impatiente. Vraiment, vraiment impatiente. Et le mec de Micromania, il m'a dit, comment vous le savez? Et il m'a dit, vous êtes la première dans ma boutique à l'acheter. Parce que il venait de les recevoir, en fait, il les avait pas sortis du carton. Sur ça, il me dit, par contre, si vous voulez l'acheter, je peux pas prendre carte bleue ou quoi parce qu'il est pas enregistré encore. Il me dit, ça sera qu'en espèces. Je lui dis, bah écoutez, ça tombe bien, j'ai que de l'espèce. Et franchement, j'étais contente. Il était à 64€. Ouais, je pensais qu'il allait être à 60€. Désolée tout le monde, ça avait coupé. Alors, voilà, donc comme je vous ai dit, je referai des vidéos sur Tomb Raider. Mais pour le moment, c'était juste un petit aperçu. Et moi, vous saurez ce que j'en pense. Voilà, quel magnifique paysage. Je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye !